إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث بإذن الله دائما في نفس السلسلة في خطر الاستعمال وخطر التعامل مع الجن في خطر التعامل مع الجن وهل يجوز التعامل مع الجن المسلم وغيرهم نعم يعني. أقول في الأخير ماذا استنتجنا توجد لا فيديو إن شاء الله تعالى دو لو دونجي دو تخافاي افيك دي جين إي لو فات كاكا كي في دي كابتاش لو فات دي كابتاش نعم في الأخير ماذا استنتجنا دون تو سا كاسكو نابخي ونابخي J'ai parlé de 10 points, inchallah ta'ala. Un résumé de 10 points, inchallah ta'ala. la première, on n'a pas le droit ouvrir cette porte-là. Le fait de travailler avec des djinns, le fait de faire des captages, le fait d'utiliser des djinns musulmans ou des musulmans, on n'a pas le droit. on n'a pas le droit d'ouvrir cette porte-là. أن هذا العمل ممكن يأتي بالعداوة بين الناس لأن الجن ممكن أنهم لا يقول الحقيقة لأنه مع من الغيبيات أن هذا ست بارول أو لو فات دو ترافاي أك دي جين يو بو كخيي دي بروبلام لي Parce qu'il peut te ramener des informations. Il y a plein d'informations qui sont fausses, les fausses informations. Et le patient il peut prendre ces informations au sérieux. Il peut les ramener et il peut créer les problèmes entre les gens qui c'est pas vrai, qui c'est des mensonges. qu'elle a dit un exemple le djinn. Et après lui il va crier, il va, il va, il va, il va se bagarrer avec des personnes. Il croit qu'ils c'est eux qui sont fillus, la sorcellerie. Que n'était pas ça. Il peut créer beaucoup beaucoup plus de beaucoup de problèmes. Nah. وساسكم لذيذ ولا invisible نعم ثالثا أن هذا الأمر من الغيبيات ولا يجوز الإنسان الاستفسار عن الغيب لا troisième chose ça c'est de l'invisible. on n'a نعم رابعا أن معظم الذين يتعاملون بهذه الطريقة لم يحققوا التوحيد لا Alors, tous ces praticiens qui ils, ils font le captage ou, 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 ou ils font et essayent de travailler avec des djinns, tous, la majorité, ils ne connaissent pas le tawhid. La majorité, ils sont très loin de, 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 euh, de l'initiative d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'ils sont partis sur ils sont cette porte-là. Mm -hmm. euh, la cinquième, la majorité de ces gens-là aussi qui travaillent avec cette manière euh, avec cette manière là ils sont ils utilisent, source, ils utilisent tout simplement la source, la sorcellerie la, la. la sixième, le fait de rentrer les, les, les patients dans, un, dans, un, dans, un, dans un quelque chose qui les perturbe et, et, et ils sont en fait ils sont pas ils savent pas ils sont où, ils savent pas dans quel point ils sont il fait les diagnostics, les fausses diagnostics, il dit des paroles, Un exemple que vous avez si ça, si ça là-bas dans la tombe, de... et il donne des informations fausses parce que je reçois énormément d'appels des gens qui me disent Oui, il m'a appelé, il m'a dit dans la tombe là-bas, dans la tombe, il est là-bas, il est dans la mer, et je ne sais pas quoi, et tout ça, il ramène de ça, toutes ces affaires fausses

euh, il travaille avec des djinns, il va lire un exemple 5 minutes de courant, mais après une fois, il et, et va commencer à faire son truc, partager tout ça, et le djinn commence à parler, il va passer le temps à parler avec lui, à discuter à la place qu'il fait la ruqya. Ce ne sera pas la ruqya, ce sera quoi la discussion euh, là, et ça, ça empire le cas, et ce n'est pas avec cette façon là qu'on va se guérir. Euh, la huitième le fait qu'on utilise que les choses qui sont légiférées la, rukia, la récitation de l'eau des plantes et des choses qui sont légiférées où on n'a pas le droit d'utiliser des choses qui sont légitimes ou prendre des plantes un exemple ou prendre un exemple de l'alcool ou, ou quelque chose comme ça pour faire la avec qui à la base c'est interdit c'est interdit alors on utilise que les plantes et des choses qui sont légiférées et la ruqya charia أه كيكوني نعم نعم أه تاسعا لازم على المريض أن لا يتجه إلى هؤلاء الذين يستعملون التعامل مع الجن المسلم أو غيره أه لا نافيا le fait euh, faut éviter à utiliser et partir voir ces gens qui font des captages qui font des captages les euh, derniers euh, ils font des captages et disent ils disent qu'ils utilisent des djinns musulmans ou des djinns non musulmans faut éviter parce que ça va et ça va pas vous guérir عاشرون وإن كان هذا يقول أنه مسلم فلا نصدقه لأننا نعرف هذا العالم euh, la dernière, la dixième même ce un exemple qui, qui va dire qu'il est musulman dans le captage ou nous on ne sait pas est-ce il est musulman ou il est pas musulman parce qu'on ne connaît pas l'invisible, on n'a pas le droit à faire des de confiance à des individus comme ça parce que Allah nous a, le Rassou, wa sallam, nous a enseigné comment faire la rupiah, l'arrestation, les trucs et tout ça, les trucs qui sont légiférés. On n'a pas le droit à utiliser des choses qui sont licites. Halaoulahu a'alam. n'oubliez pas, salut Allahu alaam, d'abonner à notre chaîne, de partager cette vidéo. Je vous dis, c'est pas fini, salut J'ai la dernière, et la dernière, c'est la plus, plus, plus importante vidéo, le danger. Je vais vous parler sur le danger de captage, binila, et c'est les conséquences qu'est-ce qui peut arriver. ابقي كاك في ان باذن الله ابقي كاك في هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين